Coucou, c'est Kazoo pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live, voilà, sur cette fois-ci sur Desert Online. Je vais les brancher la caméra bientôt. Hop là, on va fousser ça, on va virer le tout dans le côté, voilà. Est-ce que ça va bien ce soir? J'ai l'impression que oui, bah du coup je suis accompagné. On va faire un petit peu Desert Online, j'ai une quête spéciale à faire, un truc super cool. Ça va vraiment vraiment me plaire. Allez hop, on repasse sur Desert. Je suis toute mouillée. Non, c'est une connerie. Non, le personnage est trempé parce qu'en fait il pleut à fond, c'est un truc de malade. Du coup, les personnages sont tout, voilà, tout reluisant et il fait nuit. Donc ça va être une mission de fou, super nuit, il flotte. J'ai tout réuni pour que ce soit la merde. Voilà, c'est dit, ça va être une galère. Donc la quête, c'est d'aller chercher son premier cheval dans, voilà, mon premier petit poney. Parce que voilà, je dois l'avouer, je suis un fan des petits poneys. Non, c'est pas vrai, c'est une connerie. On va aller chercher son premier cheval. Et du coup, bah, pour m'épauler, j'ai Union. Hein, t'es venu te moquer, mais tu vas venir participer. je vais remettre le son. Hop, sur, si tu veux me rejoindre sur le salon stream, n'hésite pas. T'es la bienvenue.
Et puis du coup bah, on va se lancer. Donc on a réuni un certain nombre d'éléments pour la quête, parce que là rien que quand je le défile, je vois le truc, le résumé de quête, il est juste gigantesque. Pour une quête où on va juste chercher un cadasson, quoi. C'est un truc de ouf. Coucou Aria. N'hésitez pas à venir, hein, n'hésitez pas, bah, c'est plus facile en vocal pour vous répondre. Honnêtement, le déroulé de la quête, il me fait super peur. Je suis en stress de ouf. Je me dis, je vais y passer l'heure et demie qu'on va passer ensemble, je vais la passer à aller chercher le canasson. Ça va être le carnage. Alors, objet requis, corde de domptage, morceau de sucre brut. Alors, corde de domptage, check. Elle est là, j'en ai une vingtaine, on l'a prévu, hein. On s'est dit, allez. Sucre brut, check. J'en ai pris une centaine, pareil, hein, je les ai tous fondus. Voilà, donc on va attirer du cheval avec du sucre brut. On va leur casser les dents parce qu'ils ont rompu, ils ont des caries et tout ça. Et après, j'ai un, comment on appelle ça? Vous savez, les mecs là qui font des petits trucs avec leur vrille et qui font super du bruit. Les dentistes, oui, le dentiste qui va pouvoir se faire plaisir, et derrière, je suis payé. C'est mon sponsor pour ce soir, c'est le dentiste. Voilà, ça est frident. C'est fait. Et donc on va y aller. On a ce qu'il faut, on a le coin, on sait où on va aller. Simplement, j'ai besoin de repérer un endroit où il fait pas, où il y a pas de flotte et où c'est pas la merde. Alors, oui, je sais que vous êtes en sortie PVP, mais qu'est-ce que vous venez foutre ici si vous êtes en sortie PVP? Vous avez le temps de vous amuser à venir voir mon stream, c'est pas possible. Faut savoir, hein, soit vous conduisez, soit vous buvez. Allez, venez boire en conduisant, c'est pas grave. Ici, c'est pas dangereux. Vous pouvez acheter, donc vous pouvez trouver un cheval sauvage. Si vous approchez trop, il s'enfuira. C'est ce que tu m'avais dit, Yoon, donc ça, attention. Et utiliser la corde de domptage. Ça devrait aller. Ouais, je fais tout ça pour un cheval. Tu vas, non mais tu vas, rigole maintenant, mais tu vas voir que quand il va falloir aller attraper le cheval, on va moins rigoler. On va être là. Ah non, il s'est enfui encore. Ça fait la 10e fois. Qu'est-ce que tu nous fais, Kazu? Voilà. Donc, non mais en fait, en gros, alors pourquoi je fais ça pour un cheval? Juste pour un cheval, je pourrais aller l'acheter effectivement, mais le truc c'est que quand t'attrapes ton cheval, déjà c'est ton cheval. Hein, je tiens à le dire, c'est ton cheval à toi, que t'as galéré pendant 1 heure et demie à aller le chercher. Et en plus, le fait de l'attraper, déjà, au-delà du fait que, bah, il y a quand même ce petit côté récompense, etc., bah, tu peux aussi en faire de l'élevage. Ça coûte quand même moins cher d'aller chercher un animal sauvage, bah, que d'aller l'acheter pour aller lui faire ce que tu veux faire. Que ce soit, voilà, aller transporter des charrettes, faire ce genre de choses, c'est quand même mieux d'aller chercher dans la nature. Ça coûte moins cher. Et puis, c'est quand même plus sympa, c'est une meilleure récompense. Alors, utilisez le cheval sauvage. Si vous trouvez un cheval sauvage, attention, j'aime beaucoup le quatrième point, c'est si vous trouvez un cheval sauvage, voilà, si vous approchez trop, il s'enfuira. Ciblez le cheval et l'indicateur de cible deviendra rouge. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour utiliser la corde. Normalement, la corde équipée, enfin, en tout cas, quand on a la corde sur soi, ça devrait marcher. Et quand le mini-jeu commence, appuyez sur la touche espace au bon moment. Alors, Yun, ouais, j'avoue. Yuni, tu vas me répondre. Tu m'as dit tout à l'heure, espace comme un bourrin. Genre, on claque l'espace comme un taré. Est-ce que je claque l'espace comme un taré ou est-ce que je fais comme avec le poisson, c'est-à-dire comme à la pêche? On a une espèce de barre qui va défiler et au bon moment, quand elle est suffisamment, enfin, elle est au bon endroit, on appuie et à ce moment-là, c'est plus une question de timer. Tu vas pouvoir me répondre, je vais continuer par rapport à tout ça. Si vous réussissez le mini-jeu, alors ça, j'aime bien, c'est que il y a un 6, un espace, et après il y a le 7. Et le 7, ça dit si vous réussissez. Donc en gros, t'arrives au 6, tu as raté, recommencez, tu repars à 1. C'est un truc de malade, c'est abusé ce qu'ils ont fait. Donc arrivé au 7, imaginons qu'on arrive au 7, qu'on arrive à garder le, à choper le canasson. Si vous réussissez le mini-jeu, continuez à vous approcher du cheval lentement. T'as pas fini quoi. Quand le cheval se cabre, appuyez sur espace. Oh putain. C'est pas 1 heure et demie que je vais passer, en fait. Je vais faire 2 streams entiers avec ça. Continuez à appuyer de façon répétée. C'est à ce moment-là, d'accord. Donc là, il faut vraiment tabasser le truc. Pour gagner le mini-jeu. En gros, j'ai l'impression d'être dans Zelda quand il allait pour pêcher. Dans Zelda, je crois que c'est Ocarina of Time ou alors c'est Skyward. Alors, je sais plus. Je crois que c'est dans Skyward qui fait ça. C'est une folie. Bref, on est dans la merde.
Utiliser le morceau de sucre avec le bouton droit de la souris. Non, mais c'est un truc. Attends, je vais noter la recette. Tu sais, c'est pire que quand tu vas faire un gâteau chez toi. Tu prépares tes trucs, les ingrédients, le sucre, le truc, le machin, la farine, le machin. Alors, dès que c'est bon, dès que ça commence à tourner, que vous avez une pâte un peu dure, hop, vous mettez la farine. Non, mais arrête! Qu'est-ce que vous faites, quoi? C'est quoi ce bordel? Et encore, c'est pas fini, ça descend! C'est le truc qui. Le résumé est pas assez. Le résumé, il prend toute la page! Il est pas assez grand pour tenir dans une demi. Enfin, pour. Non! Dans quoi je me suis lancé? Donnez-lui 2-3 morceaux de brut. Faut pas lui en donner 4. Tu lui en donnes 2 à 3. C'est tout. À la fin, tu vois. Voilà. Non, mais c'est un truc de malade! Si vous avez réussi, vous pourrez le monter. Si vous avez raté, il faudra recommencer. Tiens. Les chevaux capturés ne peuvent pas galoper. Trotter jusqu'à un palefrenier d'abord. Donc en gros, tu vas chercher ton truc à l'autre bout de Bebelwet dans un coin paumé où tu vas trouver ton cheval. Tu arrives à faire tout ce que t'as fait là. Je dis bien, tu y arrives. On va faire de la théorie jusqu'à maintenant. Il se cabre, tu le chopes, tu montes dessus. Et le machin est même pas capable de t'emmener à la même vitesse que ce qu'elle. Non, parce que t'es parti là-bas à pied, hein. À moins de laisser ton cheval. Non, mais c'est comme prendre sa voiture pour aller acheter une voiture. Tu prends pas ta voiture, tu prends les transports. Donc en gros, tu repars avec ta voiture, mais ta voiture, elle a pas de roue. Je reviens, je vais me taper la tête contre le mur. J'arrive. C'est pas possible. C'est une blague. Alors, maintenant que c'est fait, que je suis calme, ça va aller. Ça va aller, tout va bien. Bon, de toute façon, j'ai les filles avec moi. Le soutien, c'est on est en PVP, t'inquiète, vas-y, on te regarde. La pression, quoi. Bref, alors, on va regarder la carte. Il fait nuit, c'est juste, j'ai choisi mon moment, c'est une tuerie. Donc on a des petits points, comme on le voit ici, des résumés de quêtes qui font 15 km, hein, qui apparaissent, on sait que c'est la quête dont on a besoin, parce que les autres quêtes, ça fait un tout petit machin. Là, c'est la recette pour le souffler, laisse tomber, le souffler, le gâteau de riz, mais version, voilà, c'est un truc de malade. Alors, on va aller pas trop loin, parce que du coup, j'ai pas non plus envie de faire des kilomètres avec le cheval qui galope pas. Donc, on va aller là. On va se rendre déjà sur place. On va essayer de trouver un cheval, et puis, on va opérer. Hein. J'ai peur. J'y vais sans mon cheval. Non, j'y vais sans mon cheval, ça sert à rien de venir avec sa voiture si tu vas chez le concessionnaire et que tu sais que tu vas repartir avec ta voiture, en question. Enfin, c'est... À moins d'y aller à deux. Allez, pousse, mémel. Bon, je vais remettre le son, par contre, du jeu, parce que je l'avais enlevé pour le départ. On va mettre à 20%, c'est bien. Hop, confirmé. Et que quand il se cabre, hein. c'est une tuerie. Alors, quand la neige monte, c'est à ce moment-là que t'intègres le miel, hein, et pas avant. Et là, c'est à la milliseconde près, hein. Et quand ça arrive vers 47 degrés Celsius, là, tu le retires du four. Pas avant. c'est du grand n'importe quoi. Mais il fait nuit, je vais jamais le voir. En plus, j'ai même plus d'huile. Ce jeu est une pure folie. Alors, il faut savoir que ce jeu est de la supra-micro-gestion, en gros, dans tous les sens. Tout est hyper réaliste. Enfin, hyper. Tout est pensé réaliste. Mais c'est pas pour autant que ça l'est. Du coup, il va me falloir mettre de l'huile, hein, pour prolonger la période de ma petite lampe qui est là. Ma petite lanterne. Et vous allez voir qu'on va y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Pourquoi je dois mettre autre chose? Ah là 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 là. Sélectionnez l'objet dont vous voulez. Ah bah oui. Bah oui. On peut pas dépasser la durée prévue. Êtes-vous sûr de vouloir prolonger? Oui, je suis sûr, oui. Voilà. C'est parfait. Allez. Et voilà. Tadam. Et là, on y voit plus clair. Ah, il manquait juste de la lumière. Allez, on va aller chercher les chevaux. Des chevaux. Un cheval, des chevaux. Alors, on va s'approcher tout doucement des chevaux, si on en voit un. Donc, si vous en voyez un, vous criez, hein. Mais pas trop fort, parce que si vous allez le faire pleurer, ou le faire partir, je sais pas, dans tous les sens, ça risque de me faire rater ma quête. Alors, un cheval. J'adore cette lanterne. Tu sais, c'est pas la maglite, c'est pas le truc qui te permet de voir à 120 mètres devant toi. Non, c'est juste une lanterne. Ça te fait 30 mètres autour de toi. Et pas plus. Cheval. Cheval. Si on rend la quête avec une vache, ça compte? Non, je demande ça comme ça, moi. Y a pas de chevaux. On va devoir aller ailleurs, y a pas de chevaux. Bouh.
Non, ça marche, regarde. Ça fonctionne. Elle est pas expirée. La petite colline. Quelle petite colline? Je vois pas de colline. Allez, on va aller par là. Hop, tu m'as dit colline. Je vais me déplacer un petit peu. Du coup, c'est plutôt par là, tu penses? Bah du coup on a ça ou alors on a ce petit coin là-bas, on va aller chercher par là. Ça sera peut-être un petit peu moins peuplé de monstres parce que là j'ai vu beaucoup beaucoup de monstres. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose. Pointe-le-moi sur la carte, Youn. Va au nord. Voilà, les quêtes fabuleuses qui sont d'un qui sont d'une simplicité. Moi j'adore ce genre de quête. C'est d'une simplicité déconcertante. Te. Premier objectif, trouver un cheval de nuit partant de brouillard. Oui, mon colonel. Alors, j'ai trouvé des citrouilles, ça compte? D'ailleurs, je vais me défouler un coup là. C'est un fonte! Il a absolument rien fait, c'est pas bien. Allez, on range son arme parce qu'on va faire peur au cheval. Alors. Hop, on va monter un petit peu plus haut. On reste dans le cercle. Si vous voyez un cheval, encore une fois, vous criez. Cheval! Cheval! J'ai pris une ou deux carottes au cas où. Peut-être que le sucre lui plaira pas. Je crois que je vois des loups au fond là-bas. Ouais, je vois des loups. Ça me plaît pas trop ça. Ah, non. Qui c'est toi? Imbécile! Oh, il y a une tombe. La tombe d'un chef sorcellaire. Super! On veut un cheval. Ça ressemble pas à une tombe. Fiche de moi, non mais. Bon, là, il y a l'air d'y avoir que dalle. C'est walou. Alors, je vais mettre la carte. Si tu veux me pointer sur la carte, dis-moi plus au nord, plus au sud, plus à l'est, plus à l'ouest. Et plutôt ce spot-là ou plutôt l'autre. Le premier spot, c'est celui-là. Deuxième spot, c'est celui-là. Ou sinon, on peut aller dans ce spot qui est tout au bout là-bas. Ça fait un peu loin quand même. Mais là, ce spot-là, je suis un petit peu en train de tourner le dos au spot, j'ai l'impression. Ouais, je tourne le dos. Hein. Salut Crocrox. Alors. Ah bah non, c'est une vigne. J'y vois rien du tout. Attends, si je me mets en plein milieu de la route, là comme ça, que je sors mon arme, hein, mine de rien, et que je braque une charrette là comme ça, tu vois, hop là, je peux pas lui prendre son cheval? Ça irait plus vite. Je lui donne un sucre, bon je le donne au mec et puis voilà, on n'en parle plus. Ça marcherait pas? Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de chevaux là dans mon coin. En même temps, des chevaux sauvages, sérieusement, j'en ai pas vu beaucoup. Enfin, je vais relire la quête, mais. Mon petit poney. Alors, en gros, là, ce que je viens de faire, c'est j'ai fait un clic gauche sur la quête, sur l'objectif de quête qui me permet de. Voilà. En fait, de me rendre automatiquement vers un des points, vers le point le plus près. Donc, je vais tester. Il m'envoie là-bas. Donc c'est que ces petits coins, ils doivent être un petit peu, bah voilà, il doit y avoir rien à voir. Si ça met longtemps à repop, je vais préférer faire ça. Alors, du coup, comme Yun me le dit, effectivement, mais je me suis douté. Hein, j'ai cherché un peu histoire de tourner en rond et de me dire, ah peut-être qu'il y en a un qui va apparaître par magie. Moi j'aime bien Disney, hein, peut-être la magie. Ça n'a pas marché. J'aurais pu attendre longtemps. Allez, on est reparti pour courir un petit peu. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez, cavale, cavale. Donc j'en profite juste pour ceux qui nous rejoignent. Donc on est sur la quête en gros du cheval du canasson, mon premier petit poney. Parce que voilà, je cherche mon petit poney. Après je le promis si j'arrive à capturer un cheval ce soir sur voilà sur BDO, je le tag. Je mets le crédit rose. Je lui tag un bienvenue sur le dos. Je sais pas n'importe où on va trouver un truc, mais voilà, je lui fais la misère au cheval. Parce qu'il m'aura fait la misère avant ça. Pour info, alors. J'en profite pour reprendre le résumé de quête. On a besoin d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir récupérer ce petit cheval, ce petit canasson. Et surtout pour lancer le mini-jeu. Donc en fait, on approche le cheval gentiment, genre en mode furtif.
Et je vais appuyer sur A d'ailleurs. Je vais me mettre couché comme ça en train de faire Snake à la Metal Gear Solid. Donc on arrive en mode furtif. Hop, en gros, hein, pour résumer, je me le répète aussi pour moi-même pour pas sauter sur le cheval direct. Genre, hey, c'est bon, je l'ai attrapé. Ça marchera pas. Donc on s'approche discrètement, sinon il s'enfuit. On cible le cheval. On fait un clic gauche. Ça devrait utiliser la corde. Le mini-jeu commence. On appuie sur espace au bon moment. On n'appuie pas comme un bourrin. Une fois qu'on a réussi le mini-jeu, un peu comme avec le poisson, comme avec la pêche, c'est un mini-jeu qui en fait lance une barre comme ça qui défile, qui monte et qui descend. Et en fait, au moment où elle est dans la partie qui va marcher, donc il y a une partie à droite qui va pouvoir être la partie qui fonctionne. Donc il faut appuyer au moment où elle est dans la partie à droite. Donc il y a une barre qui les sépare. Il faut que ce soit sur le bon endroit. On appuie sur espace, ça fonctionne. On s'approche, on continue de s'approcher lentement du cheval. Et quand le cheval se cabre, on appuie sur espace. Et uniquement quand il se cabre. Une fois qu'on appuie sur espace, il faut continuer à appuyer comme un taré sur espace pour gagner le mini-jeu, pour faire monter, je pense, une barre de défilement. Et une fois qu'on a fait ça, il faut appuyer sur clic droit, donc clic gauche en premier lieu. On fait les mini-jeux avec espace, clic droit à la fin. On le fait deux, trois fois. Et après, on appuie sur R pour le monter. Si on a réussi à le monter, bah c'est tout bon. Et si on n'a pas réussi, on peut tout recommencer. Waouh! Voilà, hop. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, quand on a le bon combo, je pense que ça devrait être assez simple. Enfin, assez simple. Après, il faut de la chance, faut le trouver, faut avoir le bon rythme, mais ça devrait le faire. Je me suis un petit peu entraîné avec la pêche, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Salut Yazou. T'es venu me. Ouais, t'es venu me voir faire des petites folies avec le truc. J'étais en train de me résumer le truc dans la tête, enfin dans la tête, avec les viewers. La taille du résumé de quête, quoi. Je suis choqué, je reviens dessus, ça fait 3 fois, mais la taille du résumé de quête, elle est plus grande quasiment que l'écran, c'est abusé. Il y a plein plein de trucs à faire. Hop là. C'est d'ailleurs pour reconnaître la quête sur la mini-carte, tu sais, tu passes la souris sur 2-3 quêtes. T'es là, tu vois un truc qui fait un tout petit machin, là tu vois, hop, puis là tu passes à côté du poney et là elle prend toute ta carte. Tu fais, ah ouais, c'est celle-là. C'est bien ça l'objectif. Hallucinant. Ah, on va dire que je préfère capturer des poissons, moi. Ah bah c'est le même jeu. Quand tu regardes bien, c'est le même jeu. Appuyer sur espace au bon moment. Bon, je dois leur donner des sucres et pas toi, c'est tout. C'est pas... Toi tu leur donnes du verre, moi je leur donne des sucres. Alors, on arrive sur le point. Je me remets en manuel, si on va dire. On va penser que je vais en trouver, hein. Allez, on y croit, on y croit. Tout à l'heure, j'étais un peu en galère parce que je passe sur un premier spot, un deuxième spot, j'en vois pas. Donc, bon, j'ai sorti mon arme, je me suis mis sur la route. Il y a une charrette qui venait, je me suis dit, allez, je te braque. C'est pas marché. Tu sais, au hasard du détour d'une route, comme ça, on sait pas, je lui ai donné un sucre, et puis voilà. Hop, je suis monté sur son cheval, je me suis barré avec, il a rien vu, voilà. Bon. Mais non, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu. Mon plan a échoué, lamentablement. Je crois que je vais visiter le je vais visiter pas mal de coins avant d'obtenir un cheval. Là, il y a une belette, si je lui donne. Non, ça toujours pas. Bon. J'aurais essayé. Mais non, mais j'aurais essayé. Je me désespérais. J'étais là en train de dire, bon, ça va durer 1 heure et demie, mais en fait, je suis en train de me dire que ça va durer 2 streams, tu Non, 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 il n'y a pas moyen. Je vais repartir avec mon cheval. Et même si c'est une belette déguisée en cheval, c'est pas... Tu t'envoies pas sur le spot. Ouais. Ok, ouais, ça marche. C'est pas bête ça. Yes, alors du coup j'en vois pas. Je suis en train de faire le tour. Je fais les bords, histoire de dire je racle le fond. Non, je pense que je vais changer, ouais. Ça marche, Nuga. Passe une bonne nuit. Ouais, ça marche. Je vais le monter, ouais. Hop là. Alors, mais c'est normal, c'est Yazoo. On l'a baissé. C'est. Alors, attends voir. Quoi? Et puis je vois que t'as pas retenu mon idée de réduire un petit peu ton chat Twitch sur ton stream et de le mettre en dessous de tes quêtes. Ah oui, si, si. Ah si, en fait, j'ai retenu le truc, mais alors j'ai pas réussi. Parce qu'en gros. Eh, mais l'outil. Eh, mais Norg, regarde! Regarde-le là! Viens ici, toi! Viens! Eh!
Viens là, arrête-toi, descends de ton cheval. Espèce de petit vantard. Regarde-le là. Et lui aussi là. Bon, lui il est sur la route. Non mais lui il est venu carrément dans le champ pour venir me narguer, tu sais. Genre, hey, j'ai un cheval. C'est de cochon. Non, Yazoo, pour répondre à ta question, en fait, j'ai essayé, je l'ai mis en dessous des quêtes, j'ai essayé de bouger les quêtes et tout. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que c'est sur la gauche. Et en fait, c'est hyper dur d'avoir le truc sur la gauche. En réduisant, ça peut fonctionner, mais en fait, sur la gauche, en le mettant, tu vois, enfin, sur les quêtes, ça fait un truc un peu... il faut que tout le monde parle et vraiment que ça remplisse tout le chat. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça donne des espaces, puis ça te fait un truc un peu crade. Et en fait, je suis en train d'essayer de regarder s'il n'y a pas une autre chatbox qui va faire la même chose que le. Bah, que en gros, que ça, que ce que j'ai là comme chatbox. Je sais plus le nom, je sais plus ce que j'utilise. Et qui ferait, mais en gros, qui ferait ce que je veux. C'est-à-dire qui mettrait, tu sais, tout le monde à droite, tout le monde à gauche, tu vois, qui essaierait de centrer ou des conneries comme ça. Qui me permettrait de faire un peu ce que je veux avec le chat. Parce que là, je peux rien faire, il n'y a aucune option. C'est un peu galère, c'est vraiment, tu sais, c'est le départ, donc. Mais j'ai retenu le. Je l'ai pas laissé de côté pour rien. Je l'ai retenu, mais j'avais pas la possibilité de vraiment de faire un truc comme. Tu vois, comme toi tu voulais, et puis comme un truc quand même qui me plaise et qui aille dans les deux sens. Vous ne pouvez pas changer? Non, je peux pas. Je suis pas en zone sûre. C'est ballot. Une zone sûre. Bah écoute, il y a Velia, pas loin. Allez, on y va. J'adore la musique, elle est épique. Elle est vraiment vraiment épique, c'est super sympa, ça donne une ambiance. Surtout quand t'es comme un con dans un spot à la noix rempli de champs et que t'es là, tu sais, en train de dire je cherche un cheval. Et là, t'es à la grosse musique, genre la bataille des mondes, tu sais, un grand truc de malade. Et puis t'as un pauvre mec avec une corde et avec un sucre et que là, tu sais, je vais l'attraper. Ah, quoi qu'attends. Ah, j'ai un cheval là. Bon, il est en parking, mais oh, GTA, allez, c'est bon, GTA quoi. J'étais à like, tu piques le cheval, il se barre avec. Mais surtout qu'il y avait la personne, tu sais, il y avait son propriétaire qui était en train de courir pour essayer de le rattraper, qui a vu mon manège, tu sais. Merde, j'ai laissé les clés dessus. Puis tu sais, qui court pour essayer d'être à temps. C'est du lourd. Oh là là. Oh merde, mes clés. Alors normalement, je suis en zone sûre là. Allez, on va réessayer. C'est quoi ça? Qui c'est qui fait ta. T'entends là le... Tu devrais l'entendre, avec le décalage tu vas pas t'aider à l'entendre. Y'a un gamin qui court comme ça qui fait ta. Futur quel le survivant, c'est bon ça. Ah, les détails. Ah, faut bien meubler, hein, parce que franchement, là, je fais pas grand chose. Ouais, tu l'entends pas, c'est... Ça marche. Bon, c'est fait exprès, hein, parce que c'est pas fait pour trop non plus polluer nos converses. Changement de canal. Je sais pas si t'as vu, mais t'as une petite récompense en bas à droite de l'écran. Ouais. Attends, je suis en changement de canal, attends. Pas tout faire. C'est en attente, c'est-à-dire en gros, ça va changer de... Ah ouais, voilà, d'accord. Ça vient de le faire, je pense. Ouais. Non, si je suis dessus. Ouais. Comme ça, si t'es ouais. Pas en zone sûre, ouais. Tu vas retourner à l'écran de sélection du perso et tu cliques sur changer de serveur. Ok, ouais, ok. Ouais, c'est mieux que de se balader. Ouais, des fois c'est loin, ouais. Ouais, bah là j'étais pas loin, mais c'est vrai que ouais, ça peut être lourd. Alors, attends, voir. Récompense, tu m'as dit. Ta-da-da. Hop là. Oh, puis j'en ai plein en plus. Tu dis qu'il parle tout seul et qu'il faut que tu augmentes mon son. je l'ai augmenté en plus, hein. Apparemment, Discord. Ouais. Pas des masques, quoi, sur. Ouais, sur. Ouais, il est pas opti, ouais, il est pas opti. Bah attends, je vais le pousser. Je vais le pousser dans Windows, tout simplement. Mais non, je parle pas tout seul. Vas-y, parle pour voir là. Raconte des bêtises. 1, 2, 3. Oh là là. Voilà. Mais quelle belle voix. Grosse voix. qu'est-ce que c'est? L'autre colorant inconnu. Bah tiens, c'est très bien ça. Bon, je vais le garder, mais. L'autre colorant inconnu, ça va me servir pour le cheval. Voilà, il va payer. Ah, parce que j'ai dit en gros que comme c'était la quête, c'est mon premier petit poney. Ce que je vais faire, c'est que, je vais lui taguer le poney. Non, mais je vais le taguer direct. Hein. Je vais lui mettre un coup de peinture. Je vais le transformer en petit poney. Je vais mettre la crinière rose et puis la totale et toute la peau en violet. Normal. Un beau petit poney. Mais tu vas être déçu. Tu peux pas atteindre un cheval. Non, mais je me doute. Non, mais c'est laisse-moi avec mes rêves. Non, mais par la suite. Non, mais je te précise ça parce que par la suite tu pourras en fait. Ah ouais. Une espèce de ticket de changement d'apparence de chevaux et c'est bon ça. Un cheval tout en or, bleu.
quand t'es habitué, je crois que tu peux voir les apparences de chevaux. Ah, je vais faire mon petit poney. Ah, je vais faire mon petit poney, c'est obligé. La classe. Oh putain. Allez, peut-être par la suite, dans les futures montures qui sortent, bon, ouais. NSA, il y aura des chameaux. D'accord. Mais ils prévoient par la suite des licornes et des pégases. Oh, sympa. Ah ouais. Attends, attends, je me venge un peu, hein, je... Je me défoule. Il m'a énervé, il n'y a pas de chevaux. Il est où le cheval? Alors, en fait, ils ont tout farmé, les mecs. Il faut venir genre, entre 4h et 5h du matin pour espérer avoir un cheval. Qu'est-ce que je fais du coup? Je change de serveur à nouveau. Allez, on va changer de serveur. Toc. Hop, sélection du personnage, tu m'as dit. Déconnecté. Choix du perso. Ah non, par contre, tu viens de le faire, donc il faut que tu attendes 15 minutes. D'accord. Donc, je vais aller changer de spot. Ok. Alors, attends, voilà. Les spots. On va se balader. Hein. Hop. Allez, on est reparti. Tant que je suis là. Bam! Bam! Et comment ça, t'es immunisé? Con de crabe. Ça tombe pas, les crabes, hein. Ah, tu peux piocher les crabes. Tu peux piocher les crabes. Excellent. Ah, c'est un truc fou. Yes, je viens de voir. Bah, Nuga, ouais, ouais. On est sur Discord. Ah, d'accord, je vois. Ouais, il y a Nuga qui demandait, ouais. Et en fait, sur ton stream, le chat Twitch, en fait, bon, bah, il s'affiche. Ouais, sur le côté, ouais. Sur le côté, mais ouais. il disparaît au bout d'un moment, en fait. Ouais, il disparaît, mais ça, je peux le bloquer. Je peux faire qu'il apparaisse tout le temps. Ce que je vais faire. C'est pas plus mal comme ça, tu me diras. Ouais, ça dépend. Après, ça dépend s'il y a beaucoup de, tu vois, s'il y a beaucoup d'activités, le truc de toute façon va rester. Ouais. Donc. C'est pour ça. C'était pour, voilà, pour pas trop polluer non plus, puis pour voir que de temps en temps, tu sais, ça apparaît, puis ça change un petit peu, quoi. Le cheval. Allez, on se déguise en lapin et on fait, on se cache dans la nature et on fait genre on est des lapins, d'accord? Comme ça, on va peut-être pas les faire fuir. T'as mieux. La tenue de la tenue Gilly ou la tenue de. Non, t'as plus. Ouais, voilà, tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble si tu veux. Allez, vas-y. Sur F3 et. Allez, pendant que ça court. À quoi ça ressemble, c'est marrant. C'est dans quoi? C'est costume. Yes, ouais. Et puis bah ouais, du coup Gilly là, camouflage, ensemble camouflage et l'ensemble, allez, ensemble de poiscaille. Rigole pas, je suis actuellement avec cette tenue. Je sais, c'est pour ça que je rigole. Et la tenue, si la tenue vu, camo moi, Gilly. Quoi. Discord, mais... Si, ouais, je l'ai vu. Et la tenue Gilly, la fameuse tenue de sniper. T'es... Les snipers dans BF, ils ont ça, t'es. Allez, cours, Michonne. Yes! T'es grillé maintenant, je t'ajoute, hein, fais gaffe. J'ai plus l'appli, j'ai pas ma PS Vita. Ah si, j'ai ma PS Vita avec moi, attends. Je vais aller la chercher. Eh ouais, parce que je suis équipé, hein. Oh bah tant qu'à faire, attends. Je me fais chier là, à courir ça, comme un tarbouille là. La PS Vita. Mais carrément, tu sais que je stream de la PS Vita, moi, hein, t'inquiète. Ouais, j'ai vu ça. Ah ouais, attends, je suis un rebelle. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, bon, je suis pas très console, mais j'avais cru comprendre que ça avait fait un peu un flop, la Vita. Mais... Ouais, enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est un flop chez Sony, si tu veux, c'est Sony qui l'a dévrayé. Ah ouais, ça sort encore, ouais. Ah ouais, il y a des purs jeux qui sortent dessus, hein. Franchement, là, il y a des tueries. Et en fait, il y a des tueries qui sortent sur PS Vita, le problème, c'est qu'ils sortent sur PS4. Ah ouais. Puis les mecs, leur ancien titre, tu sais, qui font les fonds de commerce, enfin, ils font les fonds de vitrine, c'est des trucs bien sympas, tu vois. Les mecs, ils font des remasters sur PS4, ces connards. Mettez des coups de turin dans les pneus, tu sais. C'est pas la peine. Le mec, ils se plaignent après que leur console, elle est morte. Bah oui, bah c'est sûr. C'est pour utile. Bref. Au lieu de faire des jeux juste exprès pour. Non, mais normal. La dernière console portable que j'ai touchée, c'était la PSP avec Monster Hunter. Monster Hunter. Très bon. Il fallait bien s'équiper quand t'étais en internat. Ah, c'est, en fait, c'est ça. Moi, c'est pendant les transports, tu vois, à droite à gauche. Et franchement, j'avoue que je m'étais bien éclaté dessus. Alors, du coup. Ouais, l'internat. Après, ça dépend. Mais... Alors, ami. Ajouter un ami. Ah, je suis bientôt arrivé.
Je suis bientôt arrivé. Hop, le Wi-Fi, bah oui, active le Wi-Fi. J'ai pas encore trouvé la prise Ethernet, c'est pour brancher sur la console portable. Allez, hop, on va monter. Bon, on va pas attendre. Hop là, hop là, hop là. Alors, cheval, chevalier-tu? Si tu vois un cheval, tu crées, hein. C'est peut-être une entreprise assez délicate de faire ça en stream cette heure-ci. Je pense que C'est les chevaux, tu vas les voir repop vrai. sur C'est vrai. Twitch Bon, dans on pas va finir longtemps. en... Ouais, ah d'accord. Bon. Ah bah c'est très prisé, hein. Ouais, Les ça gens, marche. Ça marche, ça marche. surtout que maintenant tu peux directement choper des T3 dans la nature, donc C'est tout le vrai? monde squatte les spots. Ah ouais, Voilà. putain. Ok. Ça marche. Bon, on va aller faire d'autres quêtes alors du coup. Hop. Bon, j'en ai, hein, t'inquiète, hein. J'ai de quoi faire. Livraison de marchandises. Non, ça a l'air pourri. Bah tiens, un truc bien gras. Coop, Captain Efrit. Allez, une invocation. On va se sortir les doigts du... les doigts du pot de colle, hein? Oui, les pots de colle. Paul Cléopâtre, voilà. Ah, mais carrément. Carrément, carrément, du gars, t'inquiète. Mais ça va être énorme, hein, de toute façon. Ça va être, je vais te mettre des petites... des petites notifications, ça va être obligé. Hein. Je vais dire, hey, je suis là! Alors attends, hop, bon, je le laissais courir d'ailleurs, je le laissais courir le perso, il fait ça tout seul, il est très bien. Hop. Alors éteins en ligne, attends voir. Demande d'amis déjà, Nuga. Et je crois que t'allais dormir, non? C'est pas toi? Gigo a plus, et le gamin, il est encore là, hein? Bravo! Après, t'es le bienvenu, hein, mais... Tu sais, c'est après les parents ils viennent me voir et me disent ah mais on comprend pas il est toujours absent et tout ça. Le chat, en fait le chat sur Discord c'est soit t'as le vocal soit t'as l'écrit. En fait tu peux faire les deux. C'est assez bien là-dessus parce qu'ils ont en gros fait ce que fait bah TeamSpeak par exemple ou Mumble aussi pour pas les citer. Et pour en citer trois il y a aussi Skype même si c'en est pas un. En gros ils font du chat voilà tu fais du chat vocal comme là on est en train de le faire. Donc tu vois, en gros tu peux avoir plusieurs comment dire plusieurs canaux et avec bah, avec ces canaux tu les nommes etc. et tu peux switcher de l'un à l'autre. Donc là nous on a fait un canal exprès juste pour avoir pour le stream. Donc du coup les gens qui sont sur le stream, enfin sur le canal stream savent qu'ils sont également diffusés. Et du coup on peut avoir tu vois 3-4 personnes sur le stream en même temps qui peuvent parler. Ça c'est plutôt pratique. Alors Nuga. Hop, hop. Et Kawa, hop, avec le underscore. Elle aime pas les underscores, hein? Aria, elle aime pas les underscores. Arrêtez avec les underscores! Je me fiche d'elle parce qu'elle peut pas venir. Elle peut écrire, mais c'est tout. Je pense que je vais m'en manger. Je vais manger une petite réflexion Bon, quand je vais revenir. si tu stream assez tard, t'inquiète pas que l'event sera fini et puis elle va venir Elle va t'aider. venir me, elle va venir me pourrir. Hop là. Allez, on est arrivé. Donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle un parchot, c'est ça, un parchemin, qu'on voit une invocation de parchemin. Donc on invoque des démons qui sont pas très très sympas. Donc là je vais enlever mon interface pour qu'on puisse un petit peu mieux le voir et je vais jouer sans. Donc c'était contrôlé U et voilà, y a plus. Bah c'est con, j'ai enlevé mon interface, j'ai pas lancé le parchemin. Il est où mon inventaire? Mon inventaire. J'ai plus où sont mes poches, mon Dieu! Yes. Non, non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je t'ai envoyé. Hop, non, je t'ai pas envoyé. Envoyé une demande d'avis. Tidim. Le pseudo, tu verras, tu t'inquiètes pas, c'est Akuma2501. En référence, non pas à. Comment il s'appelle ce. À Digreyman. Hein, ça n'est pas Digreyman. Akuma, ça n'est pas Digreyman. Arrêtez! C'est Akuma de Street Fighter. D'accord? Street Fighter. Ah oui. Gookie, quoi. Le mec qui a retourné la gueule au maître de Ken et Ryu, s'il vous plaît. Hein? Donc Akuma et 2501, c'est pour Ghost in the Shell. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, et je t'ai envoyé l'invite. Meurs, tu viens parler sur Discord, c'est pas grave. Non, tu peux écrire sur Discord aussi, tu peux chatter, enfin en écrit si tu veux. Et pas de problème, tu peux mettre des vidéos. Discord c'est Ouais, excellent, tu du peux coup mettre il des pourra tonnes de t'envoyer des trucs. messages privés, ouais. Bah ouais, carrément. En fait, tu m'ajoutes Ah, sur j'ai déjà Discord fait. et tu peux. Ouais, voilà, tu peux m'ajouter et. Une demande d'avis suffit et après on peut s'envoyer plein de messages, plein de trucs. Non, c'est plutôt cool. Allez, passons aux choses sérieuses. Parchemin d'invocation du capitaine des Ifrit de l'hôtel. À l'assaut!
Et comme il dit Chrome, qu'est-ce que c'est la ruse? Qu'est-ce que c'est la ruse? Bah la ruse, c'est quand on tue l'ennemi sans qu'il le sache. Ah, si je meurs en utilisant la ruse, Chrome me jettera hors du Valhalla. Allez, on est parti. On enlève. Le grand Manitou. Yun, sache que je t'ai pas balancé juste en dessous. Le grand Manitou est là, il a tout entendu. Yun, ouais, c'est pas que tu dis ça, c'est que t'as balancé. Exactement. Non, mais elle est là, écoutez, elle est pareille, elles sont au même endroit, donc à mon avis, elles font la même chose toutes les deux. Oh, AFK en PVP, je suis pas sûr. Non, mais les 22 infâtés, je pense que c'est terminé les 22. Ouais. Il s'est fait bouiller en 2 secondes et demie, quoi. Donc là, il est en train de mourir. Et en fait, il se fait rattraper. Un peu comme le Shinigami, il se fait rattraper par son portail. Et il repasse dedans. Voilà, il disparaît. Schling. Comment ça, Arya, t'es encore là? Non, c'est... non, c'est pas vrai. Je t'ai pas vu, moi. Hop. Et du coup, je vais jouer sans interface. Moi, je suis comme ça. Hop. C'est au pif quand elle est prête là. La voix quand elle est prête, on la balance, mais on sait pas quand. Allez, bam, bam, bam. Libéré, délivré. Les petits cochons. Hein. Je me venge. J'ai pas eu de cheval. Je prends des cochons. Dis-moi d'ailleurs, Yasmou. Moi. Ouais, t'es venu, mais t'as pensé à prendre du singe? Non, parce que t'es pas venu les mains vides au moins. Il fait faim là. T'as vu quelle heure il est? Joker. Du saucisson, pardon. La bouffe, quoi. 10h15, okay. On faim. T'as pas amené à manger là? Non. T'es venu comme ça, les mains vides. Ah bah bravo. Donc on n'aura pas droit à manger du cheval. Hein, parce que... ah merde, je viens juste pour t'embêter. Ah, le spoil. Ah, je me suis... Ah, j'ai spoil. Oui, parce que le cheval, si je voulais l'attraper, c'était pas pour le dompter, hein, c'était pour le bouffer. Le saligo, tu sais. Bah ouais, je me doute que tu devais être bien concentré à poutrer des mauvais méchants. Ah, attends, on va remettre l'interface, parce que du coup, j'y vois rien, l'esprit occulte qu'il y a des trucs à me dire. Avec ses petites quenottes, il me fait délirer. Il a récupéré ses bras, il a pas récupéré encore quoi que ce soit d'autre. Hein. Mais j'ai cru voir dans les screens et dans les trucs, où je me spoil carrément, qu'il avait, il avait carrément une autre forme en fait. Il est beaucoup plus grand, enfin grand, oui. Il est quand même un peu plus consistant, disons. Ah ouais, il lui manque des éléments. Il ressemble moins à une crotte que maintenant, quoi. Ouais, voilà, là c'est un peu la crotte, ouais, c'est ça. Et le caca. Il aurait dû faire un adversaire de taille, mais au lieu de ça, je pense que tu t'améliores plus vite que prévu. Ouais, un peu. Alors, pièce d'armure, qu'est-ce qu'on a comme pièce d'armure? Bon, on a que de la pièce d'armure qui sert à rien, hein, je crois. Oui. Ouais, ah, ouais, voilà, on est d'accord. Hein. Bon. Allez, à dégager. Est-ce qu'on a d'autres quêtes d'éveil? Les reliques de Naga, bah, allons-y. Hein. Moi, je dis, on est parti. Alors. Monte, machin, on s'en fout. Glitch, consécutif, glitch, les nages, aller à la rencontre de Fijiaretsu, je sais pas quoi. Éliminer des rôdeurs. Mais c'est très bien ça, level 19, des rebelles. Éliminer, moi j'ai juste lu ça et c'est bon, je suis content. Je suis tenté, elle me plaît cette quête, elle est super. Éliminer. On sait pas quoi. Yes. Merci, merci. Ça c'est super cool parce que du coup j'ai les mains prises, hein, comme tu vois. J'ai la souris et même si elle est sans fil, c'est super cool. Ouais. Ah, mais j'ai les mains prises, j'ai le clavier et puis la souris, je peux pas tout faire. Comment ça, Yasmou? Je sais pas. Non, mais je. Non. Là, on voit pas tes mains. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu veux que je bouge la caméra, c'est ça? Non, merci, non. Ah, bah voilà. Ça va finir en plus 18 ce stream, laisse tomber. Ouais, tiens. C'est pas possible. Qu'est-ce qui me fait dire? Ah, voilà la route. Genre moi. Genre moi, toi, ouais. Je peux dire des trucs.
Ah, le mec qui assume pas, quoi. Ah bon, tiens. Ah bah c'est bien. Là, vous allez pouvoir me rejoindre. Donc du coup j'ai pas trouvé de chiot. Si j'en ai trouvé plein sur la route, mais il y en a pas un seul qui a voulu me laisser, qui a voulu se laisser dompter. Hein. Les saligots. Bon bah c'était un essai, tant pis. Mais en tout cas dès que j'en trouve un, j'ai ce qu'il faut sur moi, je pourrais aller le dompter, puis je ferai les trucs. J'essaierai de me souvenir du déroulé, c'est avec le clic gauche, espace, etc. Mais pas évident. Ça marche. Yes. Je te vois. Ah oh bah c'est cool. Nickel du gars. Allez, cours, cours, cours. T'as du coup j'ai pas le cheval, j'ai la flemme de retourner là-bas. C'est une grosse galère. Ah, je pensais vraiment repartir avec un cheval, hein. Mais en fait, ouais, c'est un gros farm, tu sais, les mecs, ouais, c'est les gars qui viennent et puis qui raflent tous les spots possibles et imaginables et puis qui reproduisent Ah, comme des surtout fous, qu'il n'y en quoi. a pas 50 en fait. Ouais, d'accord, ok. Oh, bah, Ah, mais en vrai, j'essaierai pour un spooker. cheval, c'est l'hôtel de vente. J'avoue. Ah, mais il y a la quête. Autant profiter. Tu nous quittes? Trop dur. Je suis déçu. Je suis déçu. Ouais, du coup, c'était une grosse journée. T'es fatigué. Mais c'est quoi? C'est quoi ces gardes là qui restent en plein milieu de la route? Poutiabou! Ça me fait délirer. C'est comme dans Witcher 3. Tu sais, tu cavales comme un porc dans la ville. Et j'aime bien, c'est dire que en gros, les Nilfgaardiens et les Redaniens sont des gros râleurs. Mais des gros râleurs. Parce qu'en fait, j'arrête pas de les taponner. Je les tape comme ça et t'entends les gens qui font oh! Ah, je les fais pas Les mentir de quoi, base tu sont des sais. gros racistes qui n'aiment pas les Oh, ben Européens. les. Ouais, grave, les Redaniens, c'est les Redaniens ou les. Non, c'est les Redaniens qui sont des gros Les racistes. deux. Les deux, ouais, c'est vrai que. Les deux. C'est vrai que bon. Personne n'aime les sorceleurs. Ah, ben non. Non, les sorceleurs, personne n'aime ça. Mais alors, par contre, les monstres, c'est la chasse aux monstres. C'est à. Comment ça s'appelle? C'est pas. À Nilfgaarden, c'est ça, ou Nilfgaard, ou je sais plus le nom, bref, j'ai complètement zappé. Ouais, c'est Nilfgaard, ouais, le truc de Ouais, je les fou, confonds quoi. toujours. Ouais, Moi, moi aussi, finalement, ouais. y a pas 36 000 Y a pas factions. T'as 36 000 les sorceleurs factions, et t'as les autres, quoi, tu vois. ouais. Ouais, c'est ça. Tantôt que j'ai recommencé une partie récemment, là, j'ai pris Ah, un ouais? Geralt, mais des plus méchants de chez méchants. Ah, c'est cool, ça. J'ai choisi tous les choix, les pires choix, je les choisis, tiens. Les choix les Parce que pires. dans un jeu comme ça, un petit peu à la Mass Effect et tout, quand t'as Bah tous ouais, les c'est. choix, où t'as vraiment le choix, bah, j'ai tendance à être un petit peu parangon, tu vois. Ouais, parangon plutôt, Être un ouais. peu gentil. Ouais, gentil, ouais. Et là, Et full, là. full pragmatique, le gars. Allez, pragme. Ça marche. Ciao, ciao, nigga. Dors bien. Et puis, bah, du coup, à bientôt. Je crois qu'on a rendez-vous. Non, pas demain. Vendredi. Vendredi, on se Vendredi retrouve. matin Ouais. 1h30 pour des The Witcher Pour 3. The Witcher 3. Ça va casser les dents. Ah, oh, j'ai trop envie Witcher, hein, c'est bon, ça fait trop longtemps. C'est ça qui me manque à Witcher 3, c'est un mode multi. Ah, oh, mais carrément. Carrément. Oh, Un Witcher en un mode multi. multi, oh là là. Et oui. Oh, Mais j'ai dit même sans oui. parler de multi, juste une coop en fait. Ouais, juste un multi, voilà. Pas un multijoueur massivement, tu vois. Juste un coop. Même à deux. C'est juste une coop entre 2 et 4 avec tous les sorceleurs de Kermorine, tu vois, ça peut être Ouais, vachement marrant. carrément. Ah bah oui. Ouais, voilà, tu peux incarner un peu tout le monde et hop, ça suffit quoi. Non, non, moi je ne fuis pas. Par contre, je pique. Parce que je suis en hit and run, tu sais, c'est un peu le perso. Ouais, c'est DPS classique de hit and run, mais sauf que moi je ne run pas. En fait, je. Tu sais, c'est genre je touche et puis je m'enfuis, tu vois, mais là je m'enfuis pas en fait. C'est ça. Je tourne autour et je pique comme une abeille. Bam, bam, bam. Voilà, hop. Enfin, un peu d'action. Putain, ce stream, il était pourri. On s'est fait chier, le petit cavalier, se bat après son canasson toute la soirée. Il n'a pas compris le but. Alors, qu'est-ce qu'il me reste des patrouilles rebelles? Ah bah, du coup, on va tout tuer, on va casser tout le village. Hein.
Combien t'as dit qu'il pouvait me courir après en une fois? Ça, moi? J'ai ouais, ça, je crois que tu m'avais dit un truc. Non, c'est peut-être pas toi qui m'avais dit combien il y en avait. Tu sais, en aggro, tu vois, tu peux. Je calcule jamais sur mon mode grade de 0 en fait le cerveau, mais je dirais 5 ou 6. 5 ou 6, ouais, ok. Bah, voilà, j'en avais à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 il était peut-être 6 ou 7, ouais. Moi, j'avoue, je débranche le cerveau aussi, hein. Mais en même temps, tu débranches le cerveau, les réflexes sont là. Hein. 8 Union, ça marche. Tu vois, elle suit à moi. Tu les as comptés, c'est ça? Allez. 1, 2. Ah bah, il meurt trop vite, il n'y en aura pas 8 là. 3, 4. Allez, les gars. Eh, hey, fillette là. 5, 6. Attends, on va en chercher l'autre. 7. Allez, 8. On essaie le 9ème. Allez, on passe à 9. Ouais, puis il y en a un qui m'a oublié, voilà. Ouais, c'est ça, c'est vite. Dommage. Hop. En même temps, je suis sûr et certain que... Ouais, exactement. Et t'allais très vite sur les spots, etc. pour piquer tes chevaux. Oh non. Non, ah, c'est pas Yun. Non, c'est pas Yun. Non, je peux pas le croire. Ah, là, tu trolls, mais tu trolls, mais exactement. Je suis passé à la chasse aux bandits. C'est ça. Non, j'avoue, j'ai abandonné un petit peu parce que bah du coup, je monte des bandits. J'ai essayé la corde et le sucre, ça marche pas. Alors j'ai essayé l'épée, ça marche bien. c'est la corde et le sucre avec les bandits. Je suis pas sûr qu'ils vont aimer, mais et c'est quoi ce gars? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Arrête de nous jeter du sucre! Ils savent plus quoi inventer, ces aventuriers là. Il y en a un, il m'a acheté du sucre la dernière fois, ils sont complètement malades! Imagine les rebelles entre eux, tu sais, qui tapent la discute au camp, tu sais. Ils sont complètement malades. Il y en a un, il a essayé de m'attraper avec une corde et l'autre il m'a envoyé du sucre! Une journée dans la peau d'un PNJ BDO. J'adore! Ah, je vois plus les PNJ pareil depuis que j'ai vu les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph. Ouais, de Disney, ouais, c'est une sorte de Pixar en fait. C'est un film d'animation si tu veux sur des PNJ et sur des mecs qui sont dans des jeux d'arcade et en fait bah voilà, il leur arrive des aventures quoi. Je t'en dis pas plus. C'est super marrant, c'est archi bon. C'est bourré de trucs genre Pac-Man, genre les, tu sais, le mec c'est une sorte de King Kong, tu vois, c'est un grand mec baraqué qui casse des qui passe son temps à casser, qui est un méchant en fait dans un jeu d'arcade façon King Kong, enfin façon peut-être Donkey Kong, pardon. Donc c'est marrant quoi. Ah là, olé. Ah, je te le conseille, c'est sympa comme T'es pas encore couché, c'est pas possible ça. De toute façon, je vais pas tarder à rien. Quoique. Ah, quoique non. De toute façon, même si tu tardes pas, elle ira sur un autre stream. Elle va pas. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas ça. Exactement. C'est pas toi qui va faire que. Oh yeah. Allez, on va rapprocher un peu la caméra. On va enlever le hub là. C'est moche le hub. Hop. Un point d'énergie. Wow. Hey, Shambara. Hey mec, bonjour. Ah, ils t'ont rien fait cette pauvre tante. Ah bah non. Non mais je farme un peu histoire de dire, tu vois, pour dire que voilà, j'ai fait un truc quoi. Je me venge. Passez une bonne journée, chérie. Le type, il arrive dans un camp, soi-disant bandit, des gens... Non, c'est les rebelles. Il tue les hommes, il bute les tentes. Bah exactement. Oh, ça aurait pu être pire. Hein. J'aurais pu faire pire. Bon, allez, je vais sortir de là, parce que du coup, j'ai dû remplir la quête, je pense. Hop. Oui, j'ai rempli la quête. Tu risques pas de le voir. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vachement plus joli sur la TH. C'est mais c'est vachement moins pratique pour faire les quêtes.
Alors, Ça à la aussi. carrière. Allez, à la carrière, c'est niveau 16, donc je pense que je vais faire ça. Niveau 16, c'est petit. Petite quête. Allez, on va se balader. Quoi? Quoi? Direct. Ah, je t'ai fait le Murotsuki no Jigijin. Voilà. Le titre boule du cul. Hop, non mais oh. Senporyu. Du coup, T. Hop. Tu connais, attends. C'est quoi déjà le nom? C'est. Je vais retrouver le manga. C'est un manga de samouraï. C'est Kiyo. Non, ça ne parle pas. Samouraï Deeper Kiyo. Ça me parle pas des masses. Mais après, Ok. derrière, je suis plus. Je sais pas si c'est sorti en animé, parce que je suis Ouais, c'est plus sorti en animé que animé, ouais. manga, moi. Ouais, c'est sorti en animé. Par contre, le problème de ça, c'est qu'en fait, Kiyo, Samurai Deeper Kiyo, c'est un mec, c'est le samouraï aux yeux rouges. En fait, c'est un mec qui a fait des, qui, voilà, qui a fait des milliers de, qui a une grosse réputation pour avoir tué des milliers de mecs, etc., etc., d'être un démon sanguinaire, machin, machin. Enfin bref. Et donc, il combat tout un tas de types. Enfin, t'imagines, c'est le grand, enfin le Shambhala de base, le mec avec un sabre. Forcément, il se tape avec d'autres mecs. Et les types en question dans le manga, c'est des vrais personnages. Et... bonne nuit, bonne nuit. Bah, je dis rien. Et Yun qui dit, je suis fier de toi. C'est bon ça. Ouais, bah tu vas voir, j'irai scruter un petit peu les autres streams pour voir s'il est toujours connecté ou pas. Yes. En tout cas, passe une bonne nuit, Ariel, et puis merci d'être passé, ça fait super, super plaisir, même si on t'a pas entendu. C'est toujours sympa, même si t'avais une occupation, t'es quand même passé, et franchement, ça fait super plaisir. Et merci Yoon aussi, parce que du coup, tes conseils m'ont été utiles, même si je n'ai pas trouvé de cheval. Je l'ai quand même bien Par contre, tu mémorisé. remarqueras, Yon, que c'était moins plaisir. Voilà. Ouais, bah c'est moins de plaisir, j'ai pas eu de cheval. J'ai pas eu de cheval. J'ai pas eu de cheval, j'ai plus rien. Non, c'est, je sais qu'elle m'aidera dans le futur, mais à la limite, ce qu'on fera, Youn, c'est que tu montreras les spots, parce que là, j'en ai vu 2-3, mais tu montreras les spots. Tout à l'heure, elle me disait, vas-y, c'est là, et tout, machin. Mais t'es pas là pour me le montrer, tu sais. Mais moi, un point. Non, mais tu montreras tout ça, mais on fera ça un petit peu plus tard, je pense. Enfin, quand tu auras, ouais, comme tu me dis, quand tu auras le wrap-up, comme tu me dis, Yazoo. Surtout qu'elle aurait pu venir te le dire en live, il y a encore son Discord. Oh! Voilà, c'est moins plaisir. Voilà, c'est. Yes. Ah, je balance. Non mais ouais, tu fais bien. C'est la grosse poucave. C'est lui. Il était là. C'est Chang Ling, le meurtrier. N'importe En même quoi. temps, Yoon, là, tu pourrais Ça venir marche à aussi, rien. hein. Tu en es fou, moi, la drille, hein. Bah ouais, vous pouvez venir tous les deux. Bat, il est rigolo. Après, faut qu'il ait envie de, faut qu'il ait envie de venir. C'est Non, après. comment t'as dit ça? Quoi, Non, rigolo? bah, tu dis rigolo, on Genre. aime bien au village. Oh, J'adore. tu l'as Ah répété, non. quoi. Ah bah, tu sais, c'est J'espère qu'il est filmé, sur le hein. stream. C'est filmé, de toute façon, J'espère donc. qu'il est sur le stream. Genre, il est rigolo au village. T'es sérieux? Ah putain, je l'ai dit comme ça. Oh non. Ah merde. Alors, des effrites, tu as bien vu, ah, tu as bien fait de venir pour le travail. Nous, non, serrez les coudes, j'ai un pincement au cœur chaque fois que je regarde ces ouvriers. Oh, c'est mignon! On s'en fout, les ouvriers! Oh. Ah, le terme ouvrier me fait toujours rien dans ce jeu. Ils ont pas réussi à mettre esclave, c'est tout. T'es sur quel serveur du coup, Yun? Parce que là, le nain, là, j'en ai rien à foutre de ce qu'il me raconte, moi je vais chercher le cheval! T'es où? Et Attends, bah tu on va la comprendras grouper. après ça. On va la grouper, on va la grouper. Qui te dit que c'est pas une naine d'abord, hein? J'en sais rien. Alors, G. Hop là. Youn Youn. T'es connecté sur quel perso du coup? Parce que vous avez des persos dans tous les sens, vous avez des noms et des prénoms dans tous les sens. Youn Youn. Youn, son nom de famille, c'est Panakota. Ah bah voilà, hop, Nayel, très bien. Invitation de groupe. Merde, on n'est pas sur le même. On n'est pas sur le même. T'es sur lequel du coup? Baleineos J2. C'est un petit T1, mais c'est pas grave, on prend, on prend.
sais, moi je suis pas chiant, hein. J'ai passé la soirée à essayer de leur courir après et aller faire d'autres trucs à côté pour abandonner, donc je prends. Alors, tu peux pas la changer. Grouper tant que t'es pas sur le même serveur. Ouais, Balenéos, J2, allez. Zone sûre, oh, il m'énerve. Allez, je déco deux perso, tac. Je déco le perso, sélection de personnage, hein, c'est bien ça. Hop là, 9 secondes. J'arrive! Oh putain, la soirée s'annonce bien. Elle te le tue sous tes yeux. Ah, what the fuck? T'es sûr que tu veux pas nous rejoindre? Demande à Bat qui nous rejoigne aussi. Ah merde, j'ai pas fait changer de serveur. Oh le boulet! What? Allez, prends 10 secondes. Tu sais, quand on n'a pas de jambes et qu'on n'a pas de tête non plus, là t'es en galère quoi. C'est chaud. Allez, écran de sélection du serveur. Bah parce que je sais où il est en plus le pire. Abusé. Alors, Balenéos, j'ai C2. Mais non, c'est J. Eh, t'es sur Jordan, t'es pas sur Crocus. Donc c'est J2. Allez, y'est parti. Attends-moi, petit cheval. Alors, juste... Ah, rien qui est parti et, et qui nous dit, je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu le bordel dans les placards. Oh, ça va, ça va. C'est pas trop le bordel, là, ça va, c'est rangé, un peu de choses près. Bon, là, à côté, oui, mais... Bon, allez, on cache, ça va, c'est bon. Fais des réflexions sur les placards, hein, c'est bon. Cache la misère. Elle est censée c'est partir en plus. Elle est censée pas se coucher. Quoi. Bah, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle a mis le petit hashtag. Hein. Elle sifflote pas du tout. Hein. Tu vois lui maintenant. Alors, dis-moi Union. Hop, je vais te grouper dans le. Dis-moi Union, dans lequel tu es, dans quel spot. Est-ce que t'es celui qui est le plus près ou est-ce que t'es celui qui a un petit peu plus de loyer. Statut. Du coup. Yes! Je vais suivre. Hop là. Normalement. Ok, il te voit. Je cours! Ah, tu le vois, hein, je cavale. Hein. Ça va être un carnage. Et j'espère que tu vas lire toutes les conneries que t'as mis sur le chat aussi, parce que ça s'affiche au fur et à mesure en fait. Elles sont excellentes, ces redifs, parce que du coup, tu peux voir au fur et à mesure le défilé, en fait, de chacun des messages du chat. Aria, va te coucher. Bah ouais, va te coucher, va dormir. Il est là, le cheval. Non, c'est pas le mien. C'est pas celui-là, quand même, si, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. C'est un cheval sauvage, ça. Ah ouais. Un truc de fou, quand même. Allez, hop. Donc, la corde. Mais non, c'est un cheval sauvage, ça. Elle te troll. Bah oui. Les chevaux sauvages, ils ont pas de bride. Bah non, ils ont pas de bride. Allez. Ah, mais il est parti. Non, il est là, le cheval. Regarde. C'est bon, je l'ai. Hop. Mais non, mais pas ça, la corde, bordel. Il bouge trop. Ah, le cochon. Non, j'ai été trop loin. Vous ne pouvez pas utiliser la corde dans votre état actuel. Non, mais débarque, quoi. Si tu vises les fesses, ça marche pas trop. Ah, je sais pas, moi. Tu sais, on s'accroche un peu. Hein. Allez, on est parti. Attends, je m'approche quand même un peu parce que du coup, comme il se déplace, en fait, juste avant, j'ai lancé ma corde. Ça a touché, mais il s'est enfui trop. Il faut carrément le faire. C'est en une fois, c'est pas. Ok. J'ai bien fait d'en prendre 20. Hein, je...
Allez, c'est parti. Good. Mais il s'est barré. J'étais sur good. Ce que j'adore, c'est vous. Cet objet ne peut pas être utilisé dans votre état actuel. Et tu vois le personnage, c'est qu'elle est là comme ça en train de faire. Oh zut. Tu peux pas utiliser la corde. Tu es dégoûté. C'est ton état. Tu es dégoûté. Voilà. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Doucement, doucement. Cheval. C'est bon. Ah, mais non. J'ai pas appuyé suffisamment. Oh, fallait pas appuyer en fait. Ah, j'ai appuyé sur espace. Donc ça fait justement, good. Faut pas que t'appuies quand tu lances la corde. C'est que quand il se cave. Attends. Donc en gros, si je reprends. En gros, tu lances la corde. Ouais. Et là, tu t'approches doucement sans rien toucher d'autre. Ok. Et quand il se cave, là, tu fais espace. Ok. Désolé pour le bruit. Ah non, le cochon. Bon bah voilà, ça c'est fait. Je serai un mauvais Ken survivant, un très mauvais Ken survivant. Voilà, je le dis, hein, c'est. La technique du Okutonoken, c'est pas pour moi. Mais j'ai compris le principe, en fait, ouais, voilà, tu t'appuies pas une deuxième fois, quoi. T'appuies juste une fois pour déclencher, et une fois que tu l'as déclenché, c'est bon. Mais il me montre que ses fesses, moi j'ai plus rien. Allez, c'est bon, on s'approche doucement. Là, c'est bon. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Quelqu'un a un briquet? Oh le bâtard! Oh le bâtard! J'ai tiqué! J'ai tiqué! Ah mais non, faut le faire trois fois. Ah mais non, faut lui filer du machin là, faut s'approcher, c'est ça en fait. Tu maintiens le truc, après tu t'approches encore et jusqu'à ce que tu arrives suffisamment pour lui donner le sucre. C'est bien ça? Ah mais la grimace de fou, et j'étais à fond, mais laisse tomber, ça fait mal au doigt en fait. Attends, il est où le cheval? Bah, y en a un autre là. Tiens, il y a celui-là. Hop, on va essayer celui-là. Peut-être qu'il est un peu plus docile. Viens là, canasson. Canaillou. Donc s'il se cabre, je lance espace. Voilà, ok. En plus, un T3. Allez, 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 allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, je vais te donner du sucre. Ah, c'est pire que la pêche, hein. Non, j'ai pas mal au bras. C'est bon. Holy shit! Et c'est bon. Hihi! J'ai le cheval. Maintenant, tu vas l'inscrire à l'écurie. Au palefrenier, ouais. Ah, son premier cheval, c'est un T3. C'est la classe. J'ai un peu chaud. Là, je change de t-shirt, là, juste après. Là, je vais faire une pause. Alors, le palefrenier le plus proche, du coup... Ça va être ici, ok, nickel. Ah, mais c'est cool. Bah, heureusement que t'es venu, Yun, parce que sinon j'étais paumé, complet. Je rêve, ou sur le stream, tu vas pas donner de sucre? Non, je vais pas donner de sucre. Toi, t'es monté direct dessus. Je suis monté direct dessus, et voilà, il a eu pitié de moi, comme. comme dit Yun, il a eu pitié le poney, quoi. Il a dit, oh, attends, c'est bon. Allez. Il a regardé ton stream, il a vu ta grimace. Il faut sauter dans cette cas-là. Espace pour sauter. Non, regarde, ça marche très bien. Non, j'ai peur. Si je saute, je tombe après. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas de temps, il a une tresse. Ouais, il a une tresse, ouais. c'est le lasso de tout à l'heure quand t'as mis son cul. C'est du lourd. Oh merde. Bah, merci, Aria. Hashtag pas couché encore, hein. Non, là, il est en train de regarder si tu vas pas te faire PK sur la route ou qu'au caisse. Ouais, ouais. Tu sais, t'imagines le merdier. T'imagines le mec qui, à GTA, il te braque ton cheval. Descends un petit coup de pied pour passer, tu sais, histoire de... Tac. Allez, c'est le mien. À demain, rien. À demain, passez une bonne nuit. Ah là là, j'ai le cheval. Wouh. Bon, bah, ça aurait été fructueux aujourd'hui.
La grande classe. Enfin, à demain, à tout à l'heure, quoi. dans 5 minutes. C'est ça. Alors, du coup, je suis devant le palefrenier. Du coup, j'ai juste à lui parler ou je descends de cheval? T'as peur de descendre du cheval, hein? Bah ouais. Tu peux descendre. Ouais, ouais. T'as des choux courtes. Ah, j'ai les choux courtes. Félicitations, plus besoin de courir. Wouhou, j'ai réussi, yes. Donc, du coup, dompter, c'est ça? Dompter un cheval sauvage. Que le cheval galope en liberté, ne résiste pas au morceau de sucre brut. Ok, ouais. Si tu veux improviser, blablabla. En fait, il fait du blabla, quoi. Donc, je vais dans écurie. Inscrire au marché. Non, inscrire au marché d'élevage, non. Échange le cheval attaché au wagon. Marché. Inscrire l'emblème du cheval, c'est ça ? Faut que tu cliques sur l'icône. Ouais. Non, faut que tu cliques sur l'icône de la monture que t'as ramenée. Ouais. D'accord, ok. Ouais, elle est cachée derrière, en fait, elle est là dans le fond. Voilà, hop, cheval dompté et inscrire le cheval, ok. Ouais, comme elle était cachée par le tout le menu du cheval ici. Inscrire cheval sauvage, ok. Et je suis un grand classique, hop, je suis un grand fan, hop. C'est le premier, il a une tresse, c'était un cygne. C'est une femelle ou un mâle, on sait, non? C'est pas tant que tu l'as pas inscrit, ouais. C'est con parce qu'il y a Epona avec un mâle. Bah, c'était un mâle. Dommage. La honte. Allez, sortir du coup. Ah, bah c'est cool. Un T3 ça donne quoi? C'est jusqu'à quoi? T5, T6? Bah, c'est juste qu'il court plus vite. Court plus vite, ouais. Si tu la couples avec un autre T3, tu peux faire un T4, etc. D'accord. Directement un T5. Dépend le level auquel tu montes. Auquel tu montes? Ok, ça marche. Ah, mais c'est cool. Elle est marquée par arrière. Donc ça veut dire qu'elle est partie. Après, est-ce qu'elle est pas capable de revenir, de se faufiler, de prendre un nouveau pseudo pour pour se connecter et venir faire genre... Non, c'est pas arrière, non. Ah, mais c'est cool. Je vois pas de quoi tu parles, non. Non. Blackstone TV, non, je vois pas de quoi tu parles. Non. Donc du coup, maintenant, il peut galoper. Ah, bah c'est super cool. Tant que je te tiens, Yoon, est-ce que tu sais me dire comment je vais récupérer des comment on appelle ça, une selle ou des éléments un peu pour le personnaliser, le cheval? Tu peux en acheter si t'es 300 d'amitié au palefrenier. D'accord. Il faut le craft ou l'acheter à l'âge. Ok, tu peux en acheter à l'âge, mais... Ouais. Ah oui, c'est là, d'accord. Amitié 100, amitié 300 pour les... ok. C'est moins cher de le craft? Ouais, il faut l'acheter avec l'amitié. Après, avec le craft, tu peux lui craft des meilleurs trucs que PNJ. Ok. Bon, pour commencer, ouais, après, faut toujours essayer de faire... je peux fondre aussi, je suis con, parce que là, j'ai des herbes, mais... Annule. Ça, je peux le revendre plus cher ou pas au marchand? Non, hop, ça c'est pareil, hop, marchand. Morceau de sucre brut, du coup, bah j'en aurais plus trop besoin. C'est un peu ballot. Si, pour la bouffe, à la limite, ça peut me servir pour faire des trucs à bouffer, des morceaux de sucre brut. Peut-être pas, mais Ah bah j'ai une selle miteuse, tiens, regarde, nickel. Bon, après, si un jour tu veux capturer une femelle... Ouais. Ça servira toujours. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vais les mettre à l'entrepôt. Ça, c'est pas un truc personnel, c'est pas des trucs qui se... Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai que je peux pas mettre dans le... Bah voilà, il a une selle, nickel. Bon, j'ai une selle de départ, mais... Ce sera toujours mieux que de le chevaucher comme ça, sans rien, ça fait un peu moins miteux, quoi. C'est genre, hey, j'ai un cheval. Mais j'ai rien pu acheter après. Dépenser pour lui, et voilà. Non, bah c'est cool, hein. Ah ouais, il a la classe. Il a de la gueule. Bien content. Hop. Bon, on va le mettre au contre-jour. Ça fait un peu pas terrible, mais si on veut le mettre là, on va faire un petit screen. Histoire de... Arrête-toi, le cheval. C'est bon. Hey. Oh, calme-toi. Voilà, un petit screen. Et regarde. Tac. Et voilà. Ah, c'est mieux sans le HUD. C'est mieux sans un PNJ qui te passe au travers.
C'est mieux sans un malade mental qui court avec son cheval et qui te traverse en plus. Ah bah bravo. Laisse tomber. Mais tu sais qu'une, j'ai failli être rendu à embraquer un cheval sur la route, hein, carrément. Tout à l'heure, j'en pouvais plus. Je disais, mais non, c'est pas possible, y a pas de chevaux. Je me suis arrêté, j'ai sorti mon épée, j'ai dit, tiens, un sucre ou la vie. Mon cheval pour un royaume. Non, c'est pas ça. Non, pas vraiment. Non, tant pis. J'aurais essayé. Ça marche. Bah, c'est cool. Moi, je vais arrêter là. Puis du coup, je vais me passer sur YouTube dans très peu de temps. Je vais passer sur YouTube. Merci, Yoon, d'être passé. C'est super. C'est ultra cool. Et du coup, on va commencer, hein, le domptage. J'espère que je pourrai compter sur toi pour la suite. Comment on fait des bébés? On parle toujours de chevaux, mais bien sûr, pourquoi t'es pas possible, hein. Kazoo, il est venu pour mettre les, tu sais, pour mettre de l'ombre dans ce que je dis. Non, mais il y a tout au près la démonstration. Ça me avec va des poissons. Avec des poissons, voilà. Comment faire des bébés avec des poissons? C'est la même chose avec les chevaux, hein. T'es sûr, hein? Ils sont quand même vachement plus gros, les chevaux. Ah, ça marche. Bon, allez, hop, je coupe, je vous garde sur le canal, je vous retrouve sur l'autre. Et puis, hop, je vous souhaite bonne soirée à ceux qui regardent. Et puis, Aria, j'espère que t'es allée vraiment te coucher, hein. C'était le petit message de la fin, parce que genre, en gros, elle nous a fait un petit truc là, genre, oh, je vais me coucher. Donc voilà, Yoon, merci encore. Kazoo, pour... Non mais, vous êtes pas partis? Mais moi, je pensais. On part pas, là. C'est fini, faut partir. Le spectacle, c'est fini. T'as jamais vu ce truc? Allez, je vous laisse. Je coupe le stream et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.